L'Ouganda intensifie ses efforts pour élargir sa production pétrolière en ciblant de nouvelles zones d'exploration. En attendant le lancement de l'exploitation de son pétrole brut découvert il y a près de 20 ans dans le bassin Albertine, le pays concentre désormais son attention sur deux régions prometteuses, Moroto Kadam et Kyoga. Mercredi, Ruth Nankibirwa, la ministre ougandaise de l'énergie, a annoncé que des études préliminaires étaient en cours dans ces régions situées au nord et au nord-ouest du pays. Actuellement, les réserves pétrolières de l'Ouganda sont estimées à 6,5 milliards de barils. En explorant ces nouveaux bassins, le pays espère non seulement confirmer de nouvelles réserves commerciales, mais aussi accroître significativement sa production pétrolière. En parallèle, l'Ouganda continue de développer son infrastructure clé pour l'exportation de pétrole. L'oléoduc d'Afrique de l'Est, dit EACOP, est un projet monumental de 1443 km reliant le bassin d'Albertine au port de Tanga, en Tanzanie. Ce pipeline, soutenu par une coalition internationale d'investisseurs, a récemment obtenu un soutien crucial de 9 banques européennes, après une période difficile marquée par le retrait des banques occidentales pour des raisons environnementales. L'implication des banques européennes est un tournant important pour le financement du pipeline, qui a déjà levé près de 2 milliards de dollars sur les 5 nécessaires. Il faut souligner que les projets Tilenga et Kingfisher, au cœur de la production pétrolière du pays, avancent avec des progrès notables. La construction des infrastructures et des puits continue, posant les bases pour une future exploitation à grande échelle. L'avenir énergétique de l'Ouganda dépendra non seulement de sa capacité à harmoniser la croissance économique avec les enjeux environnementaux, mais aussi à garantir la viabilité de ses projets pétroliers.